أنه قريبا قام محدث qui sont collection hadith considérés en dans six livres qui considéraient Shiha Sita, c'est Imam Nasa'i. Imam Nasa'i, son collection hadith, ils font partie de six livres hadith qui sont appelés, qui sont connus dans l'entente dans l'Ulama Shiha Sita. Imam Nasa'i qui gagne son wafat dans le mois Safar. Le mois Safar rappelle-nous la maladie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans le mois Safar, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui tombe malade. Et ça finit continuer jusqu'à quand il arrive le mois Rabi'ul Awwal. Et quand on dit Rabi'ul Awwal, certains banulamas de l'écrire 12 Rabi'ul Awwal, naissance Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et wafat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui en réalité n'a pas vrai. C'est une confusion qui veut faire. Banulamas, les gens veulent faire recherche sur ce sujet-là. De dire à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui gagne son wafat un jour lundi, ça lui confirme. Les fingers sont avant dans le mois Rabi'ul Awwal, ça aussi, il y a beaucoup de preuves qui peuvent soutenir ça. Mais concernant 12 Rabi'ul Awwal, ça n'a pas une preuve vraiment authentique qui prouve ça. Alors nous ne sommes pas capables de dire d'une façon définitive que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui gagne son wafat 12 Rabi'ul Awwal. C'était dans le mois Rabi'ul Awwal, c'était un jour lundi, mais l'Odaka fait la confirmation. Plusieurs manoulamans, certains médias 9, certains médias 2, et certains médias 13, finalement, il y a des là, mais concernant 12 Rabi'ul Awwal, il y a un an confirmé. Alors, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui tombe malade dans le mois Safar, jusqu'à lequel il se voit pas, dans le mois Rabi'ul Awwal. Et en même temps, le mois Rabi'ul Awwal rappelle-nous un parmi les grands alim Medine, un parmi les grands faqih qu'il est là, à la personne de Ala Hazrat Fazil Baradi, rahmatullah alayhi. Nos présences, c'est pour rendre hommage à sa grande personnalité. Pour rendre hommage à sa grande personnalité et spécialement à la Hazrat Fazil Baradi rahmatullahi alayhi qui est vraiment le grand musulman Ahlus Sunna wal Jama'a, un service énorme. Alors nous, quand nous nous réunissons pour il y a 15 minutes pour lire, pour faire des lawa tout le Coran, pour faire une salle de savoir, pour faire du'a mafirat, c'est en réalité, nous n'avons pas capable de finir et remercier. Et nous bénissons le moyen aussi pour capable finir, exprimer reconnaissance là, sur du bien qu'il est fait à nous. Alors, plus simple, ce qui est dans nos capacités, c'est faire des lawa tout le Coran, faire du'a, faire une salle de savoir. Et nous faire du'a, Allah subhanahu wa ta'ala, descend son rahmat. Le qabr à la Hazrat Fazil Baradi rahmatullahi alayhi et nous fait doa, même qui nous loin avec ce qabr, mais oui, sa muhabbat, sa l'attachement qui nous est avec lui, Allah Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq, vous bénéficiez ce faiz, faiz ban ulama et faiz ban awliya Allah. À la Hazrat Fazil Baradi rahmatullahi alayhi. Beaucoup de mes frères et de mes soeurs musulmans finissent à la Hazrat parce qu'il n'y a pas à ce tiers-là qui nous mettent dans ce nom-là depuis plusieurs années nous mettent dans ce nom-là. Mais il arrive un moment quand nous oublions retourner à la Hazrat Fadil Baradi rahmatullahi alayhi
Mais seulement cette fois-ci, nous retournons vers lui depuis dans une autre direction. Alors, Hazrat Fadil Bareilly, rahmatullahi alayhi, nous capables de dire que c'est une personnalité de plusieurs facettes. Et même, sa côté nain qui a la Hazrat Fadil Bareilly, rahmatullahi alayhi, décrit. Mais en même temps, il a vu le moment, nous étudions sérieusement l'enseignement à la Hazrat Fadil Bareilly, rahmatullahi alayhi. Alhamdulillah, mon remercie tout mon frère, tout mon soeur qui me dérangeait, il venait dans ce programme-là, malgré qu'il arrive bien si trop, c'est un endroit, pays d'Afrique qui s'implacale tout seulement. Alors beaucoup, mon frère, il sortit loin, il venait, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous autres récompenses dans l'Union et l'Akhirat. Et spécialement, mon remercie mon ulama qui nous donne ce l'état, qui nous présente dans sa même ville-là. Et en même temps, un remerciement spécial. À nos jeunes frères qui nous viennent au récit n'a à la Hazrat Fadil Bareilly rahmatullahi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous le barakat n'a un sharif Allah donne-nous le faïz à la Hazrat Fadil Bareilly rahmatullahi alayhi et nous fait dua Allah donne-nous vivant à l'aqida le principe à le sunnah wal jama'a et nous quitte sa dunya là l'aqida et le principe à le sunnah wal jama'a parmi nous man n'a qui nous entendait n'a que la haine nous nous pensons à la Hazrat comme un shair un beau shair mais en réalité à travers ce shair au shairi à la Hazrat qui transmet message à le sunnah wal jama'a l'inexplique akida à le sunnah wal jama'a à travers ce maintenant mais malheureusement nous mettons dans la liste pour commander sa lavoie sa façon qui dit la béliali très moins nous mettons attention le sa message qui à la Hazrat qui donné là elle parmi nous maintenant qui nous entendait c'est un an maintenant travail de dire c'est un an difficile pour lire mais alhamdoulilah nos frères boxés les lire un an à la Hazrat il y a dit vraiment d'une meilleure façon il a une place les lire au Rafil pour qui a jada est oh c'est lui qui parle pour attention qui sa place là était جہاں پانچ جاتے ہیں چار گرتے ہیں وہ بہت ریفلیشی بھی ہاں کی بیجی آرہا آرہا حضرت پہ بولو کسو ریفلیشی اور تو آکی پہ پہ پانکون کی سب پلاسلہ کو سینک آرے زیس کٹ کے لے دونے اور ریالیتی آرہا حضرت پہ پہ نو ریفلیشی یا تو آ مسلمان انہیں زور تو کمو Jemun pusat yitwa, kat jemun pusat yitwa, eh, tuan tu dah jalanlah pada kabrastan. Saya pergi ada. Kat pusat yit, eh, dah jalanlah. Mereka itu ni. Eh, dah zis kat kiri itu ni tuan. Sekitar cita jalanlah lah, tu kongres selamain. Alah-alah, mereka itu ada sisa. Mengkompas dia lah. Asli yang mengkompas kini dia lah. Bila tu kan, pun tak tansiun. Et comme ça même, nous avons un autre frère, Chamin, Allah donne barakat de son lavoie, Allah donne barakat de son ilm. L'inri annat, à la hazard infini, explique Akid Ahl Sunnah wal Jama'a. Et pas seulement Akid Ahl Sunnah wal Jama'a, l'infini donne nous conseil. Et d'ailleurs, les dire alors, les dire, ça c'est le message des Razas. Alors, il ne faudrait pas oublier ce message-là. Qui message est donné? Il dit à nous, fais attention, fais attention. Et il y a beaucoup, les bégayes, sadaqa, Nabi Karim, les bémangés pour Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Les finis mangés pour Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Les talitounes, pas ici, ils commencent à insulter ben roulam pour Nabi Karim, c'est-à-dire qu'ils peuvent insulter ben awliya Allah. Ils mettent nous en garde. Ils peuvent expliquer nous à qui il a le sunnah wa jama'a. Et nous faisons comprendre à qui il a le sunnah wa jama'a
ala hanal pa de bale ni rahmatullah alayh no pa bu gay assez l'occasion pour expliquer tout en détail moyna de wa mala l'enseignement à la hanal qui ni fini mekni da hom bali ala hanal so fatawa qui commence par de publier 12 volumes mais aujourd'hui ça livre là il finit faire un travail, ben, on va y faire un travail, des cherches l'eau là, et ils ont publié en 30 volumes, plus 2 volumes additionnels. Ça dit là, il arrive 32 volumes. Alors, imaginez, ça à l'époque là, au Béco d'Avecou, 150 bananes de cela. 150 bananes de cela. Quand peine à computer, peine à l'appareil, peine à telle affaire, alors, il faut le faire, il faut le faire. Les écrire avec plume, qui sa plume là, pas plume, pas aucun mon frère, les baisser à vie, bambou, qui mettront dans l'angle, personne n'écrit. Ça, à l'époque là, les écrire autant, et n'a rien prendre de volume. Ça, c'est un travail. Qui est là là? Akida, Ahlu Sunna wa Jamaa, il explique lui là là, avec prêt. Principe Ahlu Sunna wa Jamaa concernant namaz, rosa, zakat, hajj, nikah, talaq, l'évitage, tout ce qui est musulman bizarre. Dans son lavi, explication là dit dans mon livre là. Et alhamdulillah, les dames me lient, me mettent pas de remords, partout qui m'ont lié à côté, me lient, me mettent pas de remords, tout ça livre là, il y a l'autre, me mettent pas de remords là. Tous les grands volumes là, là. Vous ne mettez pas de remarque. Qui est là, à côté là, vous ne mettez pas de remarque. L'eau, ça, quand on dit à l'islam, sur l'enseignement, il est basé au quoi? Premièrement, il est basé au Coran. Kalamullah, Coran. Coran, ce texte, Allah, il prend soin pour préserver la vie. Coran, il dit à nous, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى نوكي نريبل ذكر le rappel ou bien Coran et c'est nous qui pensons qui préserve sa Coran là protège sa Coran là dans texte Coran pas capable d'un changement si un jour il voyage à tirer les mots l'inek allé le dit Alhamdulillah Rabbil Alamin en tirer les mots pour y avoir ça et dans les courants. Ces jours-là, au lieu de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'inek dit Alhamdulillahu Rabbil Alamin, en tirer les mots pour y avoir non, il n'y a pas de mots. Parce qu'il y a un tirer les mots, il y a un là, ça c'est le Coran, il y a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pas qu'il y a dit Alhamdulillahu Rabbil Alamin, non. En tirer les mots, c'est-à-dire sa texte arabe là, il préservait. Comment il préservait? Il préservait en écrit et il préservait dans l'estomac en face. Comment on lit? Comment on lit? Ou saute un ayat, ou bien on malie un ayat, alors on va faire comme ça là, on ne fait rien. Il préservait le texte là. Mais le Coran, il est en arabe. Dans ce moment-là, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, tabi'in, tabaou, tabi'in, tu me transmets le message du Coran en arabe. Mais avec le temps, quand il y a du monde qui me rentre dans l'islam, un nouveau venu à l'islam, qui n'ont pas de langue arabe, ne pas comprendre l'arabe, pour faire maintenant à comprendre le message du Coran, pour faire maintenant à comprendre l'islam, alors il faut traduire. Il vient traduire dans différentes langues. Alors quand il arrive pour traduire dans différentes langues, alors un mot dans la langue arabe, il est capable de plusieurs significations. Les gens qui traduisent arrivent à certaines places. On trouve Samoula parler ici, Samoula parler de là, Samoula parler de là. Alors certains qui veulent faire, de traduire l'hypothèse, première fois,
mula yang parit ni gradually yang pasu samula le parit tangku dan blood plus di le gradually parit di le parit dan blood plus di le gradually parit mais le temps de dire traduction là nous trouve l'hypémie dans un problème l'hypémie dans un problème mula livré parit partout mais quand on peut gradually parit l'hypémie dans un problème l'exemple après Maghrib alhamdulillah musulman mauricien Il y a beaucoup de programmes que la Hazrat peut faire presque à travers l'île et plusieurs pays. Alors, à l'Aqsa, nous avons un programme là-bas après l'Aqsa. Mais en fait, donne ça l'exemple là. Nous avons été lire la Sourah Fatiha. Quand il arrive, « Ghayril maghdoubi alayhim wa la dhallin » Alors, nous pouvons faire dua avec Allah, nous pouvons dire « Oh Allah, guide-nous le chemin droit, chemin des bandes qui te font faire faveur à nos bandes là. » Après, nous pouvons dire « Non pas, chemin des savanes qui ne gagnent d'opinition et pas chemin des savanes qui a dans l'égarement, qui n'a pas égaré. » Le mot « dhallin », la plupart traduction, nous vous trouvez « égaré ». Bande qui t'a bien dit chaud. Le mot « dhall » veut dire « boum là ». Les gars nous continuent tout le passe. Arrive la sourate Al-Duha. Là-bas, Bédalou, wa wajadaka dhallan fahada. Même mot. Dhallin, ça c'est pluriel. Dhallan, du singulier. Même mot. Et que ce soit singulier ou bien pluriel, le mot lui-même qui vous traduit à parler. En singulier, on vous dit hey, teacher. En pluriel, on vous dit les teachers, c'est tout. Mais teacher là, il est teacher là. Mais les gens ont dit à voir le mandou, il y a les malades dans l'île. Non pas chemin des bandes qui sont égarées. Les gens arrivent là, on va dire que dans l'enfahada, à nos zones traduites, ton rang, fin trouve-toi égaré, alors les fins guidées. Mais à la Hadrat Fadri Barelmi Rahmatullah Yarek, l'île comprend sa pointe différente là. Les Yahoul là, ou Beko Surah Fatiha. La Surah Fatiha, Royal Mardoubi, ça c'est Ban Yahoud. Quand on veut dire Walad Dalim, ça c'est Nasara. Mais pour Yahoud, pour Nasara, quand on traduit par égaré, pas de problème. Vraiment, on égaré dans le bien du chemin. Mais quand on peut dire « Wa wajadaka dhallan fahada » Mais là, il y a plein de gens qui sont Yahoud, Nasara, là. Il y a plein de gens qui sont kafir, là. Il y a plein de gens qui sont Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut traduire par égaré? Comment on peut traduire par égaré? Alors, à la Hadrat Fadhi al-Balid, il y a rahmatullah, il y a les. Les dire, mais le mot « dhall » Nous quelqu'un tigin dans l'arabe, comment nous capables de servir d'activer la signification? Alors, il fait nous comprendre, le mot d'or est là une signification égarée, perdition. Mais il a en même temps une signification absorbée. Par exemple, on prend dilé, on mélange avec de l'eau, alors on dit dilé là, il mélange dans de l'eau là d'une telle façon. Qui lui vient difficile pour capable de séparer les deux. Ça veut dire que ça dit là et de l'eau là, il mélangeait d'une telle façon qu'il est difficile pour séparer eux. Alors, arabe, là aussi, il s'est mis dans l'âme. Un djoumoun, l'ingène sur la haut, ou en terre, après 10 par l'année, djoumoun a fini de disparaître dans la terre. Alors, là aussi, en arabe, nous s'est mis le mot dans l'âme. Il a dans l'âme, il a. Quran il servit. Alors, à la Hadar Fadir al-Balayni, rahmatullahi alayhi, fait comprendre que le mot d'Allah est là, sa signification absorbée. Alors, qui fait pour Nabi Karim, on va servir sa signification là. Au lieu qu'il y ait Nabi Karim égaré, on dit Nabi Karim absorbé là, Allah, ce Muhammad, Allah est guidé. Alors, tu peux n'appeler Adam pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous étiez égaré, tu pourrais être béni pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a bien qu'à dire, jamais il était égaré, jamais il était boumoura. Et l'autre interprétation, le mot dhalla ou bien dhalla en arabe, veut dire repère.
Par exemple, vous payez à une place. Alors, pour ne pas payer du chemin, s'il y a un bâtiment, ou bien il y a un pied, ou bien il y a un monument, alors vous servez ça comme un repère. Alors, quand vous êtes venu, vous servez ça, cette chose-là, comme un repère pour gagner le chemin. Alors, Aram, le mot d'Allah veut dire ça aussi. C'est quelque chose qui vous servit comme un repère dans le désert pour ne pas perdre du chemin. Alors, Allah va dire, le mot d'Allah, et la signification repère, alors qu'il vient ou pas dire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui représente un repère dans un désert que tu m'as dans les gamins, Allah il guide ben tu m'as à travers sa repère là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Allah il fait une traduction Coran qui est un respect pour Allah et son Rasoul et pour l'Awliya Allah. Allah il fait une traduire Coran. Ça l'époque là, les gens trouvaient chacun de venir traduire le Coran côté la béalbi pour Allah et la béalbi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la béalbi pour Balaouliya Allah. Par exemple, un ayat d'Allah et de tout mastawa à l'arche, quand il s'agit de lire surah al-Hadid d'Alera. C'est un imageur sur mastawa à l'arche, mais dit Allah qui assisait le trône. Alors Allah, vous avez dit assisé. Djibouté, monté, descendre, mais ça, c'est dis-nous ça. C'est Manakini qui est capable de dire avant l'écho. Allah dit n'a pas un écho, comment on peut dire Allah assisé. Alors Allah fait une traduction qui n'est pas moyen de dire pour Allah, il fait une traduction correcte. Une traduction qui peut respecter le principe de la langue arabe. Comme ça, pour Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans respect pour Nabi Karim, il fait une traduction Coran. Alors, on dit, cette traduction-là, c'est un grand, comment dire, service, l'ingrand, sa oumatla. Il fait une meilleure traduction Coran. L'état, il fait une traduction Coran, ben, l'ulama qui est venu après, avec le moyen qui nous tient à l'époque, nous trouvons, Maulana Naïmuddin Murad Abadi, rahmatullahi alayhi. L'invini, l'autre traduction qui a la Hadrat, il fait en Urdu, il écrit avant ma note explicative, alors il publié, moi avec moi là, à la Hadrat, sa traduction est prise et a commenté, ben commenté en bref par Maulana Naïmuddin Murad Abadi, rahmatullahi alayh. Quelques temps après, nous trouvons un grand alim, Mufti Ahmad Yarsan, rahmatullahi alayh. L'improuvé qui est encore travail qu'il a à faire, alors lui aussi l'invini, lui prend sa traduction qui a la Hadrat l'infera, lui fait une explication là, alors une deuxième édition publiée, moi avec moi une ancienne édition, ça n'est pas là, c'est comme ça, il vieillit, alors Mufti Ahmad Yarhan saut commenter l'autre traduction à la Hadrat est publiée comme ça, et à ce temps nous gagnons une nouvelle édition, ben l'ulama est venu après. De trouver sa traduction qui a la Hadrat Infera, alors pour sa public qui m'a mis comprendre Urdu, pour être capable de bénéficier, par le lama indini, il traduit sa traduction en Urdu là, il m'écrit en anglais. Alors le professeur Validul Hamr, il fait ce travail là, finalement le Karim Darren, il fait ce travail là, il traduit en anglais, qui m'a avec moi. Ça c'est ma traduction. À la Hadratso, traduction en Urdu, il vient lire en anglais, puis il en combat les autres. Brita. Dans Sud-Afrique, un petit groupe à l'Olama de trouver que sa traduction Coran et sa tafsir qui lui, Mufti Amadi Al-Khan, il fait là, il arrive le moment pour m'écrire en anglais pour Manjoumoun capable de bénéficier, profiter avec ça. Alors nous trouvons par là de publier traduction qui Mufti Amadi Al-Khan fait là. Alors de traduire lui en anglais, alhamdulillah, et dans son texte arabe Coran, et la traduction des manuels Coran en anglais, c'est une traduction à la Hadrat, plus la commenter à qui Mufti Ahmad Al-Khan, il fait là, de finir avec ça aussi, alhamdulillah, ce travail-là, il fait à l'angolama qui n'a fait le travail de travail. Nous, Mauriciens, nous trouvons nécessité, alhamdulillah, c'est la Maulana Jaoudi, nous donnons coup de main ensemble, nous y traduire, ce qui a la Hadrat y traduire, nous traduire en créole. On va dire que ce soit sa
travail que Mufti Ahmad Yar Khan fait, que ce soit son travail qui Maulana Naimuddin Mouradabadi fait, que ce soit son travail en anglais qui professeur Faridul Hakim fait, et encore un des autres ulama fait. Donc si David, son travail qui doit faire là, tout ce travail-là, c'est zéro qui nous ne capable faire. C'est zéro. Nous n'avons pas de dire que ce travail-là, il finit faire convenablement, ce travail-là, il fait, comment dire, d'une façon vraiment à la perfection. Nous n'avons pas de créer ça, mais nous le faisons zéro. Le travail-là finit faire, ou relire, ou trouver nous-mêmes. Un drôle qui a dit, écrit à l'île, comment il l'a fini publié, il y a ce qu'il y a livre là-même, mais vous trouvez non, ça travaille là, tu es capable de faire d'une autre façon, tu es plus bon. Si vous tirez sa phrase là, tu es plus bon. Ça mot là, si tu as déjà dit comme ça, tu es plus bon. Alors l'idée là, fini. Alors avec tout ça, même pensée là, nous travaillons, nous traduisons en créole. Nous retirons, sa traduction là, nous va dire fini là-même. Et là encore, le travail capable de faire là. Ça travaille qui m'a dit, on a dit, Alhamdulillah, nous Allah il donne tawfiq, si six paras là-dedans nous finissons publier, et il y en a encore trois six paras qui nous finissent par faire doha, Inch'Allah, prenez l'occasion qui gagne ce travail-là publié. Et comme ça même, moi je trouve nécessité, sa traduction qui a la hâte d'une faire là, Thibaut et Nali en français, moi je fais un CFO pour travailler, mais Alhamdulillah, le travail-là est complété. Et dans ce travail religion, et il y a un texte arabe, un travail comme ça, il y a pour faire, Inch'Allah, il y a un target pour ça l'année-là, nous pouvons faire ça, un travail-là. Mais malheureusement, avec situation, mentalité, certaines bandes, tous les temps, il y a un obstacle. Comment on démarre ce travail-là, un obstacle béni. Comment on démarre ce travail-là, un obstacle béni. Alors, Alhamdulillah, Allah donne courage, Allah donne tawfiq. Difficulté là, vini, nous pouvons essayer de travailler dans tout domaine. Et comme ça même, finir un ulama infini. Tout ce qui a imaginé 30 volumes, les individus, point du monde, quand il y a 30 volumes, pour le comprendre, mais ça, Allah a fait le balai de Rahmatullah Ali. En réalité, Allah a fait le balai de Rahmatullah Ali. En réalité, Allah a fait le balai de Rahmatullah Ali. Allah Hazrat il fait sa travail de chez cela, l'in amène tout ça maintenant du mandat du médecin de voir nous ça tout. Alors quand volume, mon ulama il vient après de laisser il fait le travail, de comment dire abrège ça l'enseignement qui est là là-bas là, de abrège lui la forme sa livre là là, faisant ni Allah Hazrat. Et il y a quelques bonnes pages, nous comprenons juste quelques pages là-bas. Nous vous gagnez une idée, c'est quoi l'enseignement à la Hadrat, Fadil al-Balik de Rahmatullahi alayhi. D'abord, il explique Aqidah concerne Allah. Quand on dit Aqidah, le Sunnah wa Jama'a, première quelque chose, c'est Aqidah concerne Allah. Alors nous trouvons à la Hadrat, Fadil al-Balik de Rahmatullahi alayhi. Il explique concerne Aqidah, Ahlul Sunnah wa Jama'a concerne Allah. Et quand il écoute Aqidah, Ahlul Sunnah wa Jama'a concerne Allah, sa akida qui dit d'expliquer là, vous êtes avec moi, Allah Ta'ala qui dhato sifat se muta'alli akida. Il explique nous akida Ahlul Sunnah wa Jama'a concernant Allah. Sa akida, sa façon qui a la Hadrat, il explique akida Ahlul Sunnah wa Jama'a. Même explication d'un pays arabe, ben nous l'avons donné, et parmi l'arabe, nous avons un Cheikh Abdullah Harari, il donne même explication concernant Aqidah al-Wala, même explication. Qui fait hein? Parce qu'il y a la Hazrat, il prend, depuis d'avant le livre, qui ben nous l'avons, il écrit avant le livre, Cheikh Abdullah, il prend même livre là. Alors quand il prend même livre là, ce qui a la Hazrat, il explique, et ce qui Cheikh Abdullah Harari explique, ça tous les deux explications là, il paraît. Alors là, vous dites, fais attention, c'est un bandiron pour ce que l'avantage personnel, pour être satisfait à sa rancune qui est là au fond des autres, de venir créer, comment dire, une barrière, de dire, oh, Cheikh Abdullah Harari, pas sur la Jama. Moi, je dis, Cheikh Abdullah Harari, pas sur la Jama, mais moi, je dis, sur la Jama, pas exister dans la dunia. Si vous dites, Cheikh Abdullah Harari, pas sur la Jama, pas exister. Alors, à la Hadrat, par le Valé, de Rahmatullah,
lui il explique Aqidah concerne Allah. Et parmi la là, nous disons nous Aqidah, le Sunnah wa Jama'a, c'est un Aqidah de Tanzih. Tanzih veut dire nous n'avons pas attribué aucun défaut à Allah Rabbul Alami. Nous n'avons pas attribué rien qui est attribué à la créature à Allah. Ce qui nous applique pour créature, il n'est pas appliqué pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, j'ai une cause Aqidah concernant le Nabi. Alors il y a le mot de l'Isalat, c'est mon ami, il m'a mis matin. Alors tout bon point ou bien bon sujet concernant le mot de l'Isalat, égaré dans différents forums qui le tiennent, donne amène une bonne explication pour égarer bon diamant. Ala Hazrat Fadil Bareilvi Rahmatullahi Alayhi l'explique sa aqidala concernant l'Anbiya Ikram et surtout concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, à la plus devant, l'explique concernant l'Auliya Ikram, l'explique concernant Takadir, l'explique tout ce qui est aqidala le Sunna wa Jama'a, l'explique. Ensuite, il arrive une place pour faire musulman comprendre comment sa société là vis-à-vis. Alors ici, Allah Hazrat peut dire ça. Pour faire nous comprendre un musulman, son relation avec un autre musulman. Allah Hazrat cite, les dit, hey, Taba, tout kitna pakiza hai, aur teri khushbu kitni pakiza hai, tu kaisa azim hai, aur teri hurmat kitni badi hai, qasam uski jiske qabzae qudrat mein Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki jaan hai, beshak اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بہت زیادہ ہے کونسا مسلمان سو عزت دی بوکو پلیس کی حرمت کعبہ شریف لونی کعبہ شریف لیکن رد المختار میں ہے ایک مسلمان کی حرمت قبلے کی حرمت سے زیادہ ہے ایک موقع مسلمان کمان بیزن اینا رسپے شکن سو کمارات دیفرے مسلمان دن رسپے où tout ne passe, arrive un devant, un prix devant, à la Hazrat Fadil Bareilvi Rahmatullahi Alayhi, quelque chose d'un billet qu'il vient faire, qui souvent il a dans l'exigence, il a dans l'oubli plutôt, je veux dire, Ali Medin qui, où ce qui est dini, il y a un qui vient par, tawhin ou tahkim karna kufra hai, il peut montrer au respect un Ali Medin, où n'a pas gagné à humilier un ami de Ali Medin, à cause sur il ou pas des lois. Il a pris le vent. Il explique nous Adam. Les dira Ali Medin, un musulman qui a fait un moment, et Ustad Ali Medin, un chagrin qui a fait un moment, naïbe, huzur, pour nous, le Seigneur de Adam, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Adam, qui s'y khilaf, shara, bat, kahoukm de, hargiz na kari. کہ اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں مگر اس نہ ماننے میں گستاخی و بے ادبی سے پیش نہ آئے بکمال عاجزی و رسالی معذرت کرے اور بچے اور اگر اس کا حکم مباحات میں ہے تو حتی الوسع اس کی وجہ آوری میں اس کی سعادت جانے اعلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ علماء فرماتے ہیں جس نے اس کے استاد کو کسی طرح کی ایذا پہنچے وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا اعلیٰ حضرت پہ جو جعوسا سسلہ و سہیم اعلیٰ حضرت عبادت اچھا تربیت کی بین فیرہ عبادت پر علم کا تقدم و فوقیت اعلیٰ حضرت اکویا متعدد حدیثوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم عبادت سے افضل ہے علم عبادت سے بہتر ہے علم عمل سے افضل ہے علم عمل سے بہتر ہے اعلیٰ حضرت بے قیسال افتاو عزبیہ بے فیو کمپان لیکوتانس علم نتیجہ وفو آگی میں جمعون کیا ایدے قوانین لینے کلیر پاور اسی سے کی لیا ہے رہی لائے نہ لڑی لکھا پہنے لی پاور اسی رہی لائے نہ لڑی اعلیٰ حضرت کی لیجیا دے جا ہر کتاب کی ہر بات لائق اعتبار نہیں ہر کتاب کی ہر بات لائق اعتبار نہیں سے لیا خودے این آمی میں دی
pabo, kiki sol di malaria, kiki sol kumabila ko pani. Alors à la hadar dia, har kitab ki har baat durust aur sahi nahi hoti. جو کتاب قرآن و حدیث اور ارشادات علماء کے مطابق ہو وہ لائق اعتبار ہے ورنہ اس پر عمل جائز نہیں ورنہ اس پر عمل جائز نہیں اعلی حضرت سکھ اینڈ روایت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم میں کوئی ایک کتاب پائے جس میں علم کی بات ہے اور اسے کسی عالم سے نہ سنا تو برتن میں پانی منگا کر وہ کتاب اس میں ڈبو دے کہ سیاہی سفیدی سب ایک ہو جائے پس کی زیست آبیت لیم اون اما بکن خواہ سی سین ایلے آئی نابی بے نتو سیدن من جگون ہر تو ہے جائے ڈاؤنلوڈ دے پاپاز کم عبدال فتوہ سنالا سننی سنالا پا سننی سنالا پا سننی سنالا ایلالے سلافی دالا سنن جماعت سلافی دالا کا سنن جماعت جاہل لو لاغی بیڈل فتوہ پس کی لین ڈاؤنلوڈ دیکھے پاکی گیا اس وقت یہ آنا حضرت پہ دیر ہے ہر کتاب کے ہر بات درست و صحیح نہیں آنا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سا درمیت کی لین پیا سا فاسوں کے لین ایکسپیکٹ نو اسلام سے جون چی کون پانی بیا وفائنا جمن تقسی آلہ حضرت آئے آلہ حضرت پہ فیبیلا اور ریالیتی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تو سے کی شریعت نبا پہ اکسر کے نبا پہ آپے سے آلہ حضرت ان کو ڈالی اگر کو بلا پول آلہ حضرت دن کشیوں کون سے آنا اس کی سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ آلو کاشو میں راج اس کی نبی کریم چی پول سولی پیلو سے پول سیدنا او سے پاک کلی موت لو برا بلا پوزی انجشیو لڑا آلہ حضرت ان ریپون آلہ حضرت ان ریپون ان رونگ ریپونس کی آلہ حضرت ان فیا لیجی سا کی سوز لائن دان لی میں اس کی لی پوسیب او بیانو آلہ حضرت ان دیفان سا لی دینا جو پوسیب آلی میں آلی دینی ریا Li dia mais seulement sa petite chose là, li pas prouvé dans la hadith. Allez, allez là, li dia, har hadith haq hai. Madar har haq hadith nahi. N'ko pa ki n'in fait la limit, kumano dia, limit ban kuan. Le yaou, tout hadith c'est la vérité. Mais tout la vérité pa li dia hadith. Allez là, li dia, même un petit chose qui correct sans aucun prêve ou n'a pas attribué ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou pas dire dans la vie c'est n'a pas été il y a un petit chose là qui n'a pas arrivé salibré qui n'a pas arrivé pénadou qui n'a pas arrivé mais seulement laisse à savoir est-ce qu'il s'agit d'arriver à la hadith et dans la hadith pénadou ça quand pénadou ça la hadith nous pas attribué ça à hadith nous pas attribué ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam سمیم آلہ حضرت کان انجیلیا سک پاک اللہ اس کی دنفینی بے بی عربی سیدنا غوث پاک دنفینی بن لینمی کو سیدنا غوث پاک سمیم آلہ حضرت کی بے کورلو میراز کی بے دفن بودا بود نبی کریم بھی باپے اکسپتے این مر دل پلاسے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات چلتے میں سلمہ کام اللہ کو دی کشیوں اس کی لیبرے الوکاشو میراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتا این عریب کما دیا کت عرش اس کی برے جتانے لابوا جیری کہ یا رسول اللہ پابی رچیا تو سلی مبارک بین آگے تو سلی الو نبی کریم کیا نو بے موسیٰ علیہ السلام Lili titiè se soulier quand il t'y arrive le montagne tour, mais moi aussi mon petit soulier pour mon arrive le hache. Alors la voilà, j'ai dit non, Moussa alayhi salam, tu gagnes l'autre pour t'y un soulier pour qu'il se limpie tous avec tour et les arrives pour gagner baraka. Mais par contre, toi, tu viens vivre le hache avec ton sabbat, les arrives pour gagner balai avec ton sabbat.
Itong tandiwayan ka bismana lai sasaya nari tabi pasain no uji aranu ala hada jai wahiyat hai yahu first wahiyasa tai sisti hadi dahadista ala hada indi lani no sabrima ni jau nabi karim solitab sumartaba ena siri zama ya quran hadis nubizam depan lo en first riwayat kumutri rasulullah sobalia esa riwayat lah Saliwayatlah ala hadrat pabilaku. Rizwi abandon wa ulama pabilaku. Menesmo jauh muhaddis Abdul Hab Dervi daku awi riwayatlah. Ala hadrat pabilaku. Kinu bujiya muhaddis Abdul Hab Dervi. Aryo ahlu sunnah wa jamaah. Obya ala hadrat ki aryo ahlu sunnah wa jamaah. Jodhi ube jamaah. Si Sheikh Abdullah Harari pabilaku awi ksa. Disoji aryo sunnah jamaah. Si Kali Mansu pabilaku Alexa Aliyor Sunnah Jamaat Si Sheikh Mahari pabilaku Alexa Aliyor Sunnah Jamaat Kali Rafi Tepi Bani Aliyor Sunnah Jamaat Paski Nisru Dengia Kali Mansu Lani Aro Mujani Kie Desa Nepot Ki Jahil Ki Bin Desi De Kie De Ki Kiso Sunnah Jamaat Ki Pa Sunnah Jamaat Aro Ala Hadrat Fadil Barim Rahmatullahi Alayhi Din Amin En And I'm trying reform. So one goes reform that is Castro, reform to Alo Sadin Lausi, Din Lady Resti, Din Resti, me person Kijun comes and they are great Din, Alo Tifiran Lebo, Ari Tifiran Masala Kim Rebe, but Nugo Kisos Kim Mini, Alo Chari and Moma could be in and try reform. على حضرت فاضل بلد رحمة الله علی لنفع سرع لائلہ اکو سالی کونی کم مجدد میں ندود لگا کم مجدد لنفع سرع لائلہ میں کم مجیع مجدد پاڑے جیئے کہ على حضرت فاضل بلد رحمة الله علی لن ایمان عقیدہ رسول اکیت لن مطلع سکی چینا دا قرآن حدیث کی سوز کی جمعن چی میں مال کو پانچ میں مال اکسپیکے آلہ حضرت دین اکسپیکلی کو آنچی ویزا اکسپیکلی آلہ ریمی ہے دیمان اکسپیکاسو کی بات علماء فین دونے آبا سیسا میسو آلہ حضرت فاضل بلے رحمت اللہ علیہ آلو لیرا اوپو دا سولے پو زیدن بان جمعن لونو پیر لونو تصوف لونو قبر لونو مزار دن کماس پی آبان تابائی کی نبا ویزا دن کماس پی تواف کعبہ Dun komas fe sajidalu kabar Dun komas komadiya Fe aban malam bini fe tukali de kisul ki nababizan Ala hadrat fazil balil wa rahmatullahi alayhi Lidari kuhe Malghe ki ala hadrat Limanri mokinu ki sanna wali Allah Koma mila espe wali Allah Koma man awliya Allah Ednu abe dat wafat Me samim ala hadrat Kalimku jumun pepea bid'ah Jumun pepea bantik sul ki napa korek tapi syariat Ala hadrat dun fatwa ku Lijiha pagi wafi tawaf kabar Ala hadrat india tawaf kabar Pagai nua Sheikh Abdullah Harari Biusi dun fatwa pagi pagi wafi tawaf kabar Ala hadrat dia sian jumun fi sajidah kabar Abik niyat ibadat Sanara di kufr Syirik Isi jumlah beferi Befer sajidat Alik niat resmi Lijat haram Mem fatwa Pari-pari Mentia Ala hadar jasir Sini beferi Pari spedi Haram Sheikh Abdullah Harari Dindun fatwa la Pari Si jumlah Befer sajidat Alik niat ibadat Syir Sini beferi sajidat Alik resmi Sanara di haram Mem pari fatwa la Pari Ujama Sanara sunnah jamaat Imam Ahlu Sunnah wa Jamaat Et Sanara en Eru Sunnah Jamaat Lina pas rentré dans la tête Lina pas rentré dans la tête Alors nous dire Quand nous dire nous Ashik Ala Hadrat Quand nous dire nous Ahlu Sunnah wa Jamaat Pas de dire Maslaki Ala Hadrat Il vient comme dire un nouveau Deyam un nouveau nom qui nous a inventé nous mettra Nous Ahlu Sunnah wa Jamaat نو حنفی مسلم امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اے کتے سلسلہ علو نجیہ شیخ عبدالخاطر جلالی مقادری ابا تیرسا فی نینا کو محمد سلسلہ آلہ حضرت فضل بریل رحمت اللہ علیہ نوینا رسپے پوری حطب کی انعالی نوینا رسپے پوری حطب کی انفقی
nous avons respect pour lui quand même, pour dire, sauf l'enseignement qui vient de nous, sauf un conseil qui vient de nous, sauf un travail de sieste qui vient de faire, il consolide Ahlu Sunna wal Jamaa. Nous, Ahlu Sunna wal Jamaa, malheureusement, sa façon qui nous représente Ahlu Sunna wal Jamaa, je vous dis, tout le monde peut prendre, comment dire, nous ne sommes pas Jamaa, nous ne sommes pas de lui Jamaa. Mais maintenant, dans un coin, comment dire, un sec égaré, pas de lui. Mais non, nous avons le sunna wal jamaa. Pareil comme à Finena, plusieurs avant nous, la main avec le sunna wal jamaa, comme ça même Finena, à la hasard, pas de l'éveil, le balibri, rahmatullah, allez. Simplement, par les autres, la main, peut-être, nous n'avons pas autant de livres, nous n'avons pas autant d'enseignement avec Banna, mais à la hasard, nous n'avons beaucoup d'enseignement avec lui. Mais en tant qu'il y a un alim, nous considérons à la hasard comme un grand alim, comme Moujaddi, nous suivons sur un conseil, nous suivons sur un principe qui vient de donner, et c'est ça, Ahlu Sunna wal Jamaa. Allah Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq et amal. Encore une fois, nous remercions tous les ulama, pour notre présence, nous avons fait un adha, pour notre présence, et qui nous lie à la mafil, dans mes fils à la hadal Fadil Badil et Rahmatullah Ali, vous remerciez ma frère et ma soeur qui est rendue et finie, et en même temps vous remerciez la MBC qui courait à sa programme là. Allah subhanahu wa ta'ala donne barakat dans la cas à chaque frère et soeur musulman, et Allah donne nous vivants et ferme l'aqida et le principe Ahlu Sunna wa Jama'a. Vrai aqida Ahlu Sunna wa Jama'a, vrai principe Ahlu Sunna wa Jama'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant nous vous dis, nous faisons ta salle salam et nous vous dis à avec toi.
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم بارك علينا ببركة القرآن الكريم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ببركة لنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.